Bon, on se retrouve pour la suite directe de la vidéo précédente, hein, donc on est parti pour la quête contre-attaque. Voilà, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Et on est parti, on va retrouver Aiguille Furtive. Et alors, disons, où est-ce qu'elle peut être? Pourquoi il bug complètement ce truc? Elle est là. Pourquoi je lâche tout quand je suis pressé? Je sais pas, mais ton sac m'intéresse. Parlez tout bas et faites comme si vous m'aidiez. Je ne peux pas donner des détails, mais je sais que vous cherchez les disparus pour la maison Lahalu. Voilà, c'est ça, exactement. Ne posez pas de questions. Écoutez-moi, c'est tout. Nous savons où sont retenus nos concitoyens, y compris le conseiller Alden. Suivez les indices dans le paquet. Je vous retrouve au point de rendez-vous. D'accord. Pas ici. Regardez dans le sac. Ok. Bon, bah écoute. Besoin de votre aide. Ok. Alors, ne levez pas les yeux au ciel. Ah, bien vu. Oh, elle est belle. Du coup, je dois aller par où, moi? Je comprends pas. Il faut que j'aille par où? Suivez, étoile. Ah, étoile, tu es où? Vas-y, ma poule. Fonce, vole, file. Ah, putain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu bug, étoile, tu bug. Oh, t'es où? Ah. C'est bon, c'est bon. Elle a pris son envolée, là. Ah, non. Ah, putain, une souris. Ah, ah. Ah non, c'est bon, elle s'en fout complètement, c'est bien. Bon, t'avances. En fait, plus j'avance, moins elle s'arrête, en fait. Putain, c'est bizarre, ce truc. Oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas où je dois aller, hein. Moi, je te suis juste, hein. T'es sûr que c'est par là? Oui, c'est bon, c'est ça, c'est la porte, là. Ça doit être ça. Bonjour, bonjour. La maison Lahalu veut nous faire croire que nos amis et nos familles ont quitté Nars. Vous devez être là pour la réunion secrète. Absolument. Nous avons la preuve. T'as des trucs à piquer ici? Oula, attention, elle est dangereuse. Les Lahalu, rien. Ils bouclent Narcisse et refusent de nous laisser agir. Ouais, les méchants. Nous les sauverons nous-mêmes. Nous ramènerons les disparus chez eux. Exactement. C'est un scandale. Ouais, scandale. Y a rien d'autre à piquer ici. Attendez, je monte à l'étage. Et qu'est-ce qui se passe dehors? Y a un gars qui fait qui tombe. Est-ce que c'est l'heure de tondre? Non, mais dis donc. J'espère que ça s'entendra pas, par contre. Crochet, on s'en fout. Table de cheveux, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Putain, mais y a rien de bien dans cette baraque. Ah. Enfin des trucs à revendre. Peluche, ça c'est bien. Oh putain, il va me gonfler longtemps. J'espère que vous entendez pas, en tout cas. Et ça va être tout prêt en plus, hein. Avec un esprit, un bon vieux esprit, hein. Ah, un bon vieux esprit. Un bon vieux bruit bien dégueu. Voilà, j'arrive plus. Alors, dis-moi tout. Vous nous avez trouvés. Je m'excuse pour ma brusquerie de tout à l'heure. Nous vous avons entendu dire que nos concitoyens ont été emmenés. Nous en avons assez d'attendre que la maison Lahalu se décide à agir. Nous savons où nos concitoyens sont emprisonnés. Mais comme la... J'ai vu les malmenés s'emparer de ma sœur de couvée. J'ai vu où ils l'avaient emmenée. J'ai vu le conseiller Alden et le légat Giron se rendre au même endroit. Je doute que les gardes vous en empêchent. Bon. Oh, la carte d'air de Surdil. Nous a parlé. Elle dit qu'une étrangère a été engagée pour aider notre peuple. C'est bizarre qu'une étrangère nous aide, même pour... Voilà qui est fort charitable. Les chefs Lahalu disparaissent,
et il se décide enfin à passer à l'action. Chemin. Agir. Nous allons mettre la main sur des... Je ne souhaite pas les affronter. Ils suivent leurs ordres, mais ils perdent trop de temps. Chaque seconde qui passe est une seconde. Je sais que ce n'est pas une décision facile. Surtout pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette affaire. Mais il faut que... Ouais, je préfère m'en occuper tout seul. Nous allons sauver nos familles, ou bien nous mourrons en essayant. Je ne vous fais pas confiance, étrangère. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. Pff. Oh putain, c'est exactement là. Mais qu'est-ce que c'est que ce carré, là? C'est marrant parce qu'on dirait, en fait, on dirait la carte qui est fournie avec l'édition... L'édition Game of the Year d'Oblivion. En fait, ce qu'il y a le carré qui représente les Shivering Eyes de Sugarat. En plus, je l'ai en grand enfin la maison quoi. Je l'ai encadré et tout. Ça ressemble vraiment à ça. C'est vraiment spécial de voir la map de Cyrodiil. Et je vois pas ce que la map de Cyrodiil fout ici en fait. Je comprends pas ce qu'elle fout ici. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, informer le garde. Eh hey, gars, on va te défoncer ta gueule. Eh hey, oh. Je t'informe qu'on va bientôt te défoncer ta gueule. Comment êtes-vous entré ici? Madras ne laisse pas n'importe qui assister à ces réunions secrètes. Attendez. Vous êtes l'étrangère engagée par le conseiller Alden? Je lui ai donné des informations. Ma mère a disparu, mais j'ai mes ordres. C'est pour cela que j'espérais secrètement que Madras et les siens trouvent quelque chose. Que dites-vous? Madras envoie ses gens vers une mort certaine. Ce sont des fermiers, des paysans. Vous devez trouver les villageois disparus et les mener en sécurité avant que Madras ne mène ce groupe à sa perte. Je trouverai où Madras... Oh mais d'abord, bon ça. Créez une diversion, quelque chose qui les ralentit. Vous voyez ces rats qui arpentent le village? Absolument inoffensifs, mais les gens en ont peur. Prenez ce... Aidez-moi à interrompre cette ligne. Ces petites pestes sont rapides. Si vous vous approchez trop près, elles décampent aussitôt. Pour les attraper... Ok, d'accord. Alors, petit point de champion comme il faut. Hein. Alors, du coup, on va le mettre où? J'en ai alloué 5 ici. J'en ai pas mis beaucoup ici. Hein. Oh... Ouais, je continue là-dedans. Hein. Voilà, parfait. Allez, hop, ils sont où ces putains de rats? Ils sont où ces rats? Moi, je vais me faire un festin de rats. Ça va aller vite. Là, un rat. Je crois que c'est pas ça que je devais faire. Je crois que c'est pas ça ce que je devais faire. Attraper des rats. Mais je veux bien, mais je fais comment pour attraper les rats? Voilà. Voilà. Petit dernier pour la route. Là-bas. Là, j'en vois un. Ah ! Alors, tu es fait comme un rat. Oh, 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 oh. Voilà, ça c'est fait. Déposer les rats devant la porte. Où ça ? Là-bas. Par contre, je trouve que je suis très près du... Voilà, c'est mieux, merci. Ah putain, non, c'est qu'il zoome automatiquement lui-même. Ok. Où ça? Moi je veux bien te donner, mais où est-ce que t'es? Ah, ils vont bientôt fuir.
Quel est ce bruit? Bande de lâches. Ils ont la peste. Courez. Bande de lâches. Ouvrez les fenêtres. Bande de lâches. Ne les laissez pas vous mordre. Bande de lâches. T'es que des rats. On dirait que les rats entrent. J'apprécie votre aide. Tout ce que veulent ces gens, c'est retrouver leurs amis et leurs familles. Mais je ne veux pas qu'il leur arrive du mal. J'ai eu l'information de mon contact au sein du groupe. Retournez à la congrégation, je vous y... Ok, d'accord. Ça me plaît plutôt bien, cette zone, hein. Franchement. Je trouvais que les éboulis étaient un peu trop oppressants. Voilà. Avec cette espèce d'atmosphère avec des cendres et tout... Le feu, c'était joli, hein, mais c'était un peu oppressant. Ici, t'as l'impression que c'est apaisant. Voilà, t'as des petits nuages tranquilles, t'as des petits arbres, des petits champignons, un petit soleil tranquille, quoi. Tout se passe bien. Alors. Des nouvelles de Giron et Ralden? Excellent. En outre, j'ai eu des nouvelles de mon associé, Nariu Virian. Il semblerait que nous soyons enfin sortis de cette situation sordide. Nariu m'a dit que vous aviez trouvé une note dans le camp malmenais. Ça pourrait être le lien vers le créateur. Je ne vous demande qu'un nom et un emplacement sur une carte. Ce sont là les seules informations nécessaires à l'exécution de mon... Je vais commander aux gardes de la maison Lahalu de vous épauler. Ils couvriront vos arrières. Je vais rassembler les gardes et suivre ce chemin. Allez-y. Cela fait des semaines que je suis ici, à jouer au petit jeu politique habituel des cons. Ok, moi je m'en fous, moi je suis qu'une lame. Je suis qu'un bouclier et une lame, et je suis fait pour taper et me protéger, c'est tout. Réfléchir n'est pas mon besoin primaire. J'ai la clé et je peux vous guider comme promis. Notre plan a peut-être trop bien marché. On peut toujours entendre des cris venant de la maison de Madras. Dans les ruines, sous Narcisse, vous trouverez l'entrée à l'ouest... Une vieille porte étrangement placée au milieu des rochers. La porte est verrouillée pour empêcher l'accès aux ruines. Ne me remerciez pas. Ok, alors, où est-ce que sont ces ruines? Là. Ok, on va prendre le cheval. Oh, cette classe, ce talent. Un double saut. Suivi d'une vrille arrière, hein, bien entendu. Y a pas un petit coffre? Je sens bien le coffre ici, non? Non? Rien? Ça m'étonne. J'aurais bien vu un coffre. Ah, sac. Sac aide. Oh, ça faisait longtemps, tiens. C'est quoi ça? Ah, un arc! Oh, pff. Quoique je vais juste le prendre pour le dés, mais ce sera tout. Allez. Ah bon sang. Ouais non, mais il est blanc en plus. Oh là là. Baston. Petite pause. Alors, voyons ça. C'est tout petit, ça me plaît bien quand c'est tout petit. Salut, je vais te mettre sur la tronche. Tiens, prends ça dans ta miche. Par contre, voilà, merci. J'ai eu peur que ça reporte en coup ce truc. Bonjour, je viens foutre la merde. Vous êtes où? C'est dommage, je crois qu'on peut pas aller par les côtés comme ça. C'est con ça. C'est vraiment con.
Salut. Oh, nique ta mère. Ah, je... Putain, la blague. Mais tellement pourri, mais nique ta mère, quoi. Ah, putain, j'ai envie. Ouais, je suis... Je trouve ça drôle, mais non. Oh, l'insulte, quoi, nique ta mère. La référence. Voilà, ça c'est fait. L'autre côté, il y a quoi d'intéressant? Coucou, je viens voir s'il n'y a pas des bouquins. Il n'y a pas l'air. Oh le pauvre, je l'ai achevé. Ah, apparemment faut passer par là. Comment je peux lui donner un coup d'épée aussi loin? Va falloir m'expliquer ça. Merci pour ton argent. Ça va mon petit Dédra? Tout se passe bien? Tu t'éclates avec nous? Hein? Tout va bien? Ok, bon, alors si ça va bien. Par le flanc! Maintenant! Non, c'est par devant, pas par le flanc. Non, devant, toujours, voilà, tu vois. Voilà. Ce fut instructif comme bagarre. Coucou. Ah. C'est toi le gros casse-couille. Viens mon pote, on va se marrer. Bah ben, rigole pas trop mon pote. Interventions deviennent gênantes, étrangères. Espèce de vieux traître. Espèce de traître. Tiens, je vais aspirer ton âme. Après votre destruction, rien n'entravera plus les plans de Fox. C'est ça. Et voilà, ça c'est fait. La clé de Giron. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'es morte? Non, non, vas-y réveille-toi. Bon bah tant pis. Du coup, tiens, prenons l'escalier. Bon bah fais le tour. Si tu veux faire le tour, il n'y a pas de soucis. Il y a un autre à choper. Je serais tenté d'aller lire les bouquins, mais non. Ah, je peux pas être bloqué par leur putain de truc là. Par le flanc.
Ok, allez. Petite pause. Alors, ils sont vivants ou ils sont morts? Ah putain, on est dans la cave. Ils n'ont pas l'air en bonne santé en tout cas. Giron m'a trahi. Il a tué notre peuple et a inoculé le fléau de Lodos dans les cadavres. Il disait que ça le renforçait. Il avait besoin de beaucoup de cadavres. Il est trop tard pour moi, mais écoutez bien. Ne laissez personne boire l'eau du lac. C'est leur chef. Je vais lui défoncer sa gueule. Vous voilà. Bah ouais. Ravi de vous revoir. Encore en vie, à ce que je vois. Je suppose que ça justifie la confiance que Nario vous porte. Vous les avez trouvés? Comment va Ralden? Ils sont à l'intérieur. Je vois. Ralden était un homme bon qui se préoccupait des siens. Voilà pourquoi il voulait boucler Narcisse. Il voulait un accès plus facile aux malades. La maison Lahalu va s'assurer que personne ne boive l'eau du lac avant qu'il ne soit purifié. Narcisse est en sécurité, du moins pour l'instant. Nous allons faire soigner ces villageois. Reposez-vous. Je crains que la situation ne se détériore d'ici peu et que nous ne soyons contraints de faire de nouveaux appels à vos services. Ok, bah écoute, je suis bien content pour toi. Ben voilà les amis, hein. Voilà, voilà. On vous a fait les poches. Voilà, voilà. Bon. C'est bien. Y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Ah, elle a l'air d'être en forme celle-là, non? Est-ce que je tente d'y aller? Est-ce que je tente de vite y aller? Elle a l'air toute près en plus. Elle a l'air toute proche. Allez, fonce. Avec un peu de chance, il y a des gens qui tapent dessus. Oh, reviens, reviens, reviens. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Reviens. Oh, reviens. Viens te bastonner avec moi. Y'a vraiment personne qui veut se battre avec ça? Oh, je suis pas le seul quand même! Putain, y a toujours eu du monde partout, et là, y'a plus personne! C'est un putain de scandale! Non mais dis donc! Bon, ben je vais attendre un peu, hein. Y aura peut-être des gens qui vont arriver. Alors, c'est bon, c'est parti! Aïe, saloperie. Ah, la liche, viens là. Viens, la liche. Oh putain, elle fait bobo quand même, la liche. Oh. Je te mets ta race. Et voilà. Quoi, t'en as une autre? Les tarnes et leurs babioles. C'est une faiblesse d'utiliser de tels jouets pour atteindre la conscience. Ah,
Je n'ai pas peur de vous. Je suis sûr qu'en groupe c'est toujours mieux, hein. Et voilà. Lorsque vous détruirez le prochain, celui-ci sera déjà de retour. Et voilà. C'est bon ça. C'est bon ça. Bon ben voilà les amis, je voulais le faire, au moins c'est fait. Bon allez, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, et à plus tout le monde. Salut salut.